On a tous des contrats de travail, il n'y a plus personne ici qui est un militant, même si l'aspect militant est continu. Ça, c'est le... C'est l'autre truc. Alors moi, j'ai dit tout à l'heure, l'histoire de, au départ, quand on part, on est sur nos mères. Est-ce que pendant toute la période, ça c'est la question aux gens du conseil d'administration, est-ce qu'on considère aujourd'hui que l'ambition pays, l'ambition nationale, elle est atteinte à ce stade de structuration du pays? Parce que nous, on a été mis sur cette ligne-là. Accompagner le sentiment d'appartenance à ce pays, à cette nation. Je ne parle pas de l'argent. Je parle, est-ce que cette ambition-là, sur l'ensemble de la période, on l'a atteint? Si on l'a atteint, ça veut dire que les objectifs de départ, on les a atteints. Et là, il ne faut pas faire dans la dentelle. L'enjeu, pour moi, je dis brutalement, l'enjeu, ce n'est plus le Nord et les îles. C'est 4 communes. Pour moi, l'enjeu, ça va jouer dans 4 communes ici-là. Nouméa, Dembéa, Païta, Mandor. C'est là que ça joue. Et moi, dans mon schéma, je suis même allé jusqu'à dire qu'on supprime tout le reste. Parce qu'on est entre nous. Mais il faut s'assurer que notre dispositif dans le Sud... On soit complètement performant, parce que c'est là qu'il va falloir qu'on aille se battre pour gagner. Aller dans le Nord, aller dans les îles, à l'heure d'aujourd'hui, pour moi, ça y est, on a fait ce qu'on avait à faire. Nous. Le Nord, il est ce qu'il est, le Nord. Ils peuvent nous flinguer. Hein. Mais pour être ce qu'il est, nous, on a notre petite part, mais elle y est. L'usine du Nord, là, nous, on y est, nous. Nous, la radio. Si on étale les bilans, l'usine du Nord, le rail au moment où il y a eu toutes les mobilisations de l'accès à la ressource, noyée. On n'a pas le dispositif qu'on a là, et voilà le résultat. Alors, ce qui arrive aujourd'hui dans la collectivité, ça c'est la gestion, ça c'est le marché mondial de la mine, c'est pas notre affaire. On nous a dit à nous, accompagner le processus national. Si aujourd'hui, il ne faut pas qu'aujourd'hui on nous dise que les contraintes budgétaires, il faut nous dire, est-ce que l'ambition nationale, elle est atteinte? Si elle est atteinte, on bouge là. Alors sur les histoires de... sur le dispositif, on a commencé une discussion avec la province. On a fait les rencontres avec la province Nord. Il y a quoi? Il y a 15 jours. On avait des rencontres avec la province Nord il y a 15 jours pour voir si on continue le... J'ai dit à Banda, il faut maintenir le niveau. Le niveau où c'est qu'on est aujourd'hui. Le niveau de financement, il faut le maintenir. Et j'ai demandé au secrétariat général et à ceux qu'on a rencontrés à Kandolo, là, qui écrit le document, que dans la part de financement, Romain et Jean-Jean sont là, qu'on maintienne le financement. Les îles ont déjà descendu. Les îles ont descendu de, je ne sais plus, de 2 ou 3. Alors là, il y a la navette de retour avec le Nord. La navette de retour avec le Nord. Je ne sais pas si c'est arrivé, ça doit être encore dans les tuyaux, comme ils disent là. J'essaie de envoyer un peu d'air dans le tuyau pour le dégraisser. Voilà, là pour le Nord, mais il y a déjà les contraintes. Alors, sur l'autre partie du système qu'on a utilisé, moi je ne suis pas pour qu'on reproduise ce qu'on a fait l'année dernière. Ce qu'on a fait l'année dernière, ces opérations décentralisées, c'est terminé. On maintient le calendrier avec les voies du Nord, c'est ce qu'on a fait. Maintenir le calendrier voies du Nord, les opérations décentralisées, on n'a plus besoin d'y aller pour promouvoir le dispositif, parce que le dispositif, on l'a, il y en a d'autres qui sont en train de machiner. Par contre, de faire financer, faire financer quand on se déplace, les opérations sur lesquelles on...
en finance. Sur l'audience, là. Sur l'audience, le but, c'est de... Bon, ça a été difficile cette année, mais c'est de garder une dynamique d'animation de l'antenne. Bon, les SMS, c'est... Le mois-là, on a fait 18 000 SMS. Sur 18 000 SMS, il y en a un ou deux qui sortent, qui ne respectent pas la règle. Hein, qui font appel à... qui font appel à des gens sur point 10 000. Où c'est qu'il y a une procédure. Il y a une procédure parce qu'il y a des gens qui sont... J'ai dit à Ken, ça s'est passé dans un rendez-vous, c'est que Kenji, elle a machiné. Comment là de s'excuser auprès des familles, puisque ça, à la vitesse où ça va, le SMS, on est à 200 ou 300 SMS par jour, là. Hein? Alors le gros du chiffre, c'est les... Ce qu'on... Pour mettre ça dans la progression, dans le... Moi, j'avais pas le truc que le FLN écrit, parce que... Bon, le FLN écrit après nous, parce qu'on passe beaucoup de SMS, ok, mais que les camarades du SMS qui doivent de l'argent, ils nous règlent. Comme ça, on a une meilleure orchestration du... oui, des gens à nous, quoi. Comme ça, on équilibre la rentrée d'argent sur les SMS. Il n'y a pas eu beaucoup de problèmes de... Voilà, où c'est qu'il y a eu de la diffamation. Pour moi, la limite, c'est la diffamation. Si vous envoyez un truc, où c'est que vous avez... Il y a eu des choses qui sont diffamantes à l'endroit de personnes, ou bien des propos racistes ou qui font... Alors, est-ce que c'est des appels... Est-ce que vous avez eu des appels au meurtre? Moi, je n'ai pas relevé. Est-ce qu'il y a eu des appels qui font... Est-ce qu'il y a des textos qui font l'apologie de la violence, qui disent aux gens, prenez les armes? Le seul moment où c'est qu'il y a quelqu'un qui a fait ça, c'est dans l'émission Vue du bateau, qui est chargé de faire la promotion de l'inscription pour les listes électorales. Donc ça ne vient pas de vous, ça ne vient pas de nous individuellement, mais ça vient d'usagers de la radio. Ça vient d'usagers de la radio. Ce n'est pas nous, là, individuellement, qui avons ce genre de propos, mais c'est des gens, des usagers de la radio. Alors le dernier truc, c'est ce qu'a dit... comment là? Moi, ça me gêne, ça. Ce qu'a dit Nelly. Nelly, on a fait un contrat de travail? On n'a pas parlé de la couleur de tes yeux, de la couleur de ta peau? Non, je te parle clair. Je dis la radio en tant qu'employeur. Quand elle a affaire aux gens qui viennent, parce qu'elle a à un moment dans la collecte des données, en tout cas pour ce qui me concerne, estimer qu'on pouvait avoir un entretien, ce que tu es en train de dire, ça n'a pas fait l'objet d'une phrase. Je ne sais pas, ça t'as pris où, mais c'est pas... Alors, si on m'en fait sentir ça, je vous renvoie à la ligne éditoriale de la radio, qui parle du sexisme, qui parle de la couleur de la peau, qui parle du racisme, qui parle de tout ça, là. C'est dans notre ligne éditoriale. Hein. Non, mais je dis ça. Je dis ça parce qu'il y a cette... Il y a cette Non, mais ça, c'est toi. Mais moi, je mets cette ligne-là, puisque c'est une ligne... c'est la règle éthique. À l'intérieur du fonctionnement de la radio, les gens ici, ils sont ce qu'ils sont. Ils viennent d'une organisation politique, nous... Quand on fait les entretiens, à aucun moment dans la discussion, je demande aux uns et aux autres, là, vous appartenez à quelle organisation? C'est votre problème, ça. Ce qui nous relie dans notre manière de travailler à la radio, c'est la ligne éditoriale, là. Après, exécutée par pratiquement par Jean-Jean et puis Romain pour le journal. Pour les... Quand on a décidé d'arrêter, on n'a pas décidé d'arrêter de gaieté de cœur. Quand on a décidé l'année dernière d'arrêter, au mois de juin, juillet, on a arrêté parce qu'on était mis en situation financière de ne plus pouvoir rien faire. On était dans cette situation-là.
Donc soit on continue à aller, mais à un moment donné, la banque, elle va bloquer. Alors, pour éviter d'être dans cette situation-là, nous, on a pris la responsabilité de bloquer toutes les opérations. Dans le Nord, il y a eu deux rencontres pour parler de ça avec les gens du Nord, avec la promesse. Une au mois de novembre l'année dernière, on y était, nous. Vous savez qu'on a rencontré le secrétaire général adjoint qui était en activité là-bas à ce moment-là. Et pour les îles, on n'a pas fait le déplacement.